ce sous, mais à la base, j'avais des trucs à faire. Est-ce que ces trucs te demandent d'être debout? Est-ce que tu peux pas les faire assises derrière un bureau? Est-ce que tu peux mettre ta couette et ton bureau ensemble? Le verre à moitié plein, ma petite, le verre à moitié plein. Accroche-toi à la chaîne du bac. Leur signal n'est pas très loin, au cas où tu voudrais les aider. Regarde, Escar, tiens-toi prête. Le signal du freelancer vient de tout près. Essaie de le trouver. C'est trop tard. Voyons ce que Mort derrière, je dois vider le vaisseau. Ah ouais. On va avoir encore plus de compagnie. Ok. Ah bon, la vaisselle, il n'y en a pas pour 8 heures, hein, il y en a pour 2 minutes. Je sais, mais il fallait que je ramasse des balles. Laisse-moi tranquille 2 minutes. Hein. Plutôt disque de ah Mairie, mairie, mairie. Vogue, mairie, Vogue. Comment ça, elle est nulle, ma blague? J'avoue, elle est pas terrible, mais quand même. Abonne-toi à la chaîne de Baka. Y'a du lol et surtout du caca. Salut, Califan.
J'ai pas compris. J'ai dit Vogue Mary. Vogue Mary, c'est le bateau dans One Piece. C'était les Black Obscurs de Bacchael. Ah ouais, tout à l'heure on avait monté une cascade comme ça. Et en haut, il y avait mon pote le robot. Il y avait mon pote le robot. On avait fait ça. Mais c'est parce que t'es pas une vraie, c'est pour ça. Si c'était une vraie, tu saurais c'est quoi One Piece. Mais une vraie quoi, Baka? Je sais pas, moi, une vraie, c'est tout. Me faire rire. Ma mission dans la vie est accomplie, Mary. Je peux mourir heureux. J'aurais fait rire au moins une personne. Enfin, deux si on peut compter mon neveu comme une personne. Mais il est trop jeune, dès que je lui fais boue, il rigole donc. J'adore les gueules, enfin. Mon neveu est adorable quand il dort.
que quand il y avait les scorpions, elle fonctionnait pas. Oh, t'es méchant. Je suis pas méchant. C'est mon neveu, je l'adore. J'ai pas le choix, hein. Si je n'aime pas ma soeur, elle me tue. C'est une violente, ma soeur. Les deux d'ailleurs. C'est parce qu'elles ont été trop tôt en contact avec les jeux vidéo. À faute de leur frère d'ailleurs. La base. La base. Eh, hey, la lucarne est encore là. Sympa la déco. Beaucoup moins sympa l'accueil par contre. Un freelancé? Comme souvent. Comme souvent. Ouais, j'aime la compagnie. Roquette. Ouais, je les avertis, ils m'écoutent pas. Ah mais voilà aussi si tu m'écoutes en plus.
Le problème, c'est que il n'y a pas de marque là où t'es mort. Du coup, c'est dur de retourner là où tu meurs. Et c'est ça, c'est chiant. J'ose le dire, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est chiant. Ça va que je vois à peu près où je suis mort, mais... Je suis passé par là, je suis monté là. Tac, 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 j'étais là-haut. Plusieurs témoignages indiquent qu'un nid de scorpions se trouve dans les environs. Bon, bah. Ouais, il reste plus qu'à tuer 50 scorpions, quoi. Ah bon? Mais des amis... Ouais, pas les miens, les leurs. Ah, mais je voulais juste être certain d'avoir bien compris le principe, quoi. Et à l'occasion, vu qu'il n'y a quand même pas que moi qui travaille dans ce monde, je vais baisser le son du live. Je comprends. Le truc, c'est que en fait, si je baisse le son du micro, il y en a les trois quarts qui vont se plaindre que le son du micro est pas assez fort. Et si je monte le son du jeu, il y en a les trois quarts qui vont dire comment s'en passer. En gros, jamais personne n'est content. Ah bon? Bon, après, je peux aussi éviter de gueuler. Là, là. Normal en France. Non, mais en Amérique aussi. Les Anglais sont pareils. C'est même pire parce que même quand t'es marqué stream français, ils se plaignent que tu parles pas anglais. Enfin, ils se plaignent pas tous, hein. J'en ai quand même rencontré 2-3 sympas. Le pire, je pense que c'est les communautés de joueurs, en fait.
Ils vendraient leur anus pour défendre un jeu. Même quand tu le défends toi aussi, ils arrivent encore à dire que tu le défends pas assez bien. Ou pas de la bonne façon. Ça, c'est des mecs. Après, il y a les streamers. Alors eux. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? Genre, j'en connais un, il s'appelle Bakel. Il fait une fausse fille et il croit vraiment qu'il le fait bien en plus, hein. Alors que c'est de la merde. Abattoir au stream de Baka. Y'a du lol, mais surtout du caca. Boum! Salut! Va t'occuper du lave-vaisselle, c'est important. Sinon, tu vas me manger dans un bol.
Dans un monde ravagé par la guerre, un homme seul se déplace dans son armure d'Iron Man pour défoncer des gueules. Tan tan, ba Je crois que c'est fini ici. Bon, est-ce qu'on va trouver d'autres problèmes dans le coin? On l'a même pas laissé s'approcher, le pauvre. Ah merde, on va être obligé de rentrer. On peut plus prendre du butin en plus. Ça, c'est quand le jeu il te dit coup de baquel.
fait 2 heures que tu stream. Et j'ai envie de planter. Putain, ça fait 2 fois qu'il me plante au moment où je quitte le truc. Je vais encore pas avoir mes loots, ça va m'énerver. Bah qui va s'énerver ? Colère ! Colère ! Bah qui est pas content ! Quoi, je suis tout à fait normal. Je suis normal, j'ai dit. Vous avez pas le droit de dire que je suis pas normal. Je suis normal, mal. Côté avec la bite, côté avec la bite. Il était une fois, dans un pays magique, un jeu qui sortait fini. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent alcooliques. Moi je comprends maintenant. Non, je comprends pas en fait. Mais j'ai pas envie de faire cette blague parce que déjà elle est de mauvais goût. Et en plus, je vais avoir des problèmes. Et déjà, c'est à mauvais goût. Et en plus, j'aime pas les problèmes. Nique ta mère! Merci de m'aider à me dépêtrer de cette histoire de javelin. C'est elle qu'on doit rencontrer. Max, freelancer, tu protèges cette bêcheuse ? C'est ce qu'il faut pour garantir sa sécurité et celle du fort ? Absolument. J'aurais pas dit mieux. On veut tous vivre et laisser vivre. Pas vrai ? C'est important pour toi, Riz. Bien, elle pourra s'occuper des négociations. Attends, tu l'as quand même pas énervée, si ? Va savoir. Pas jusqu'ici. Parfait, ça prend déjà une bonne tournure. Pas si vite. Riz doit une combinaison au régulateur. Point barre. Pour eux, une partie de carte équivaut à un contrat. Elle a essayé de faire une offre. Pas la combinaison, mais quelque chose de valeur. Il paraît que ça a dégénéré. Il y a peut-être eu quelques bourre-pifs. Mauvais choix. Le danger, c'est sexy. Quoi ? Non, rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça ? Facile. Elle va bosser pour moi. Pas question. Je fais pas partie des régulateurs. C'est pas ce que je cherche. J'ai besoin d'un freelancer de confiance. Tu travailles pour moi. Que des contrats clean, c'est promis. Et les moins sympas des régulateurs te lâchent la grappe. Ça m'inspire pas trop, tout ça. Si les contrats sont réglo, ça peut être une bonne solution. Une combinaison avec son freelancer dedans vaut plus qu'une combinaison vendue pour pièces. J'ai quelques affaires à régler, et je tiens pas à avoir de sentinelle sur le dos. Ça me sortirait de ce traquenard tout en me remettant sur le terrain. Le danger, c'est sexy. Bon, ok. Le danger, c'est sexy. Quoi ? Non, rien. Marché conclu. Je suis sûr que j'ai pas eu mes loot. Putain. J'ai tellement les nerfs si j'ai pas mes loot, quoi. Tout ce travail.
Et voilà, j'ai rien eu. Putain. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Moi, je vais péter une durite. En fait, ça me saoule parce que ça fait 2 XP où j'aurais pu avoir pas mal de loot en plus de l'XP. Et j'ai rien parce que le jeu plante. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Bacal Live, bisous bisous, à ciao, bon dimanche. Enfin on est samedi mais bon dimanche.